Voici à quoi ressemblent les anges selon la Bible. Souvent, quand on entend parler d'anges, on pense à des personnages en forme d'homme ou de femme avec des ailes. Mais en réalité, les anges n'ont pas du tout cette apparence, ce qui pourrait faire peur à beaucoup de personnes. Alors on va commencer avec les séraphins. Ce sont des anges aux ailes recouvertes de yeux. Les séraphins seraient donc brûlants d'amour pour Dieu. Les chérubins. Ces anges ressemblent à des créatures tétramorphes, et dans la Genèse seraient des gardiens du domaine de Dieu, et seraient postés à l'entrée du jardin d'Éden. Cet ange aurait une tête d'homme, mais également une tête de taureau, une tête d'aigle et une tête de lion, sans oublier que ses ailes seraient aussi recouvertes de yeux. Les trônes, connus sous le nom d'Ophanim, sont des anges qui se trouvent au sommet de la hiérarchie céleste. Ils n'ont pas du tout d'apparence humaine et pourraient faire très peur. Ils ont un œil au centre entouré de plein d'anneaux composés de yeux. Ces anges, qui seraient le siège de Dieu, seraient chargés d'appliquer la justice divine. Mais il y a encore peu d'informations sur eux, ce qui les rend mystérieux. Malgré leur apparence, les anges sont là pour protéger l'homme. Dis-moi dans les commentaires si tu es croyant et abonne-toi.